Les jours nous sont comptés. Psaume 90, verset 12. Apprenons donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Auditeur de Pain Divin, bonjour. Quelque chose au fond de notre âme nous dit que la vie n'a pas de fin. Dieu a placé cette pensée en nous quand il nous a créés pour l'éternité. Effectivement, la vie n'a pas de fin, mais il existe une différence considérable entre la vie sur terre et celle dans l'éternité. Elles se chevauchent. Mais c'est seulement dans l'une d'elles que nous pouvons porter du fruit pour l'autre. Ce que nous faisons aujourd'hui peut avoir des conséquences éternelles. Nous pouvons investir dans les trésors du royaume de Dieu. Tant de vie s'achève avec des regrets. Beaucoup de personnes se laissent vivre en mode survie ou en mode divertissement et ne réfléchissent jamais aux fruits éternels. Nous devons planter pour que notre Dieu puisse récolter et nous récompenser. Afin de semer efficacement, nous devons avoir clairement conscience que le temps pour planter est extrêmement court. Le temps disponible pour porter du fruit est court. Jacques nous dit que la vie est une vapeur. David en convient. Il dit que tout homme n'est qu'un souffle. Psaume 39, 6. Au vu de l'immensité et de l'éternité, nous sommes un petit point sur la courbe du temps. Le temps qu'il nous faut pour apprendre ce que nous devons savoir et nous équiper pour le service est limité. Mais Dieu nous accorde un privilège incroyable. Nous pouvons accomplir pendant cet instant des œuvres d'une portée éternelle. Par nous, Dieu peut changer des vies. Il peut former nos enfants, nos conjoints et nos amis en agissant par nous. Il peut nourrir l'affamé, encourager l'exclu, racheter le perdu, guérir le malade et construire son royaume à travers nous. Mais ceci dépend de la sagesse que nous manifestons et de notre capacité à compter nos jours. Bien-aimés, Paul nous dit de racheter le temps car nous vivons des jours mauvais. Éphésiens 5, verset 16. Nos années passent à toute vitesse et nous échappent avant même que nous en ayons pris conscience. Nous devons les compter. Nous devons vivre avec un œil sur les contraintes du temps et la certitude de la mort. La sagesse remplit le cœur de ceux qui vivent avec une telle perspective. Bonne méditation à vous. Shalom.